On peut voir comme un paradoxe dans deux notions très importantes de la Bible. La plénitude de Dieu, d'un côté, et de l'autre côté, l'incomplétude. Alors c'est un mot philosophique qui n'est pas dans la Bible, mais pourtant, bien des passages de la Bible nous appellent à sans cesse faire place à autre que soi, faire place à Dieu, faire place à notre prochain, faire place à de nouvelles questions, faire place par l'écoute, faire place à des découvertes, à de l'inattendu, à des bénédictions. Alors pour illustrer ces deux notions, je vous propose deux textes bibliques. D'abord, dans la lettre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 3, voilà son ambition pour nous. Je fléchis les genoux devant le Père de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tient son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, et aussi que le Christ habite dans votre cœur par la foi, ayant été enraciné, fondé dans l'amour, de sorte que vous ayez la force de comprendre, avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. Et au-delà de la connaissance, que vous connaissiez l'amour du Christ, et que vous soyez ainsi remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut, au-delà de tout, réaliser infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, par sa puissance travaillant en nous, à lui la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, et dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Donc ça, c'était pour la plénitude de Dieu qui nous serait donnée, selon l'apôtre Paul. Et pour l'incomplétude, je vous propose un passage de l'Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu au chapitre 18. À cette heure-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Ils ont peut-être leur petite idée derrière la tête en se disant qu'ils vont peut-être être comptés parmi les plus grands, on ne sait pas. Jésus, pour leur répondre, appela un enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Amen, je vous le dis, dans la mesure où vous ne changez pas d'orientation et ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Ô Éternel, par l'étude de nos Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à ton souffle de résurrection et de vie. Amen. La plénitude, c'est là-dessus que Jean ouvre, dans son prologue, le témoignage qu'il veut nous apporter sur le Christ. Jean nous dit « En Christ, nous avons tous reçu de sa plénitude et même grâce sur grâce. » Et puis dans le texte que nous avons entendu de l'apôtre Paul, il a pour ambition pour nous que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alors, à quel niveau de plénitude vous sentez-vous, en fait? Eh bien, en fait, beaucoup plus de plénitude que nous le pensons. Tout dépend de ce qu'on entend par plénitude. Est-ce que ce serait être rempli de connaissances, de capacités totales, de bonheur et de paix sans ombre? Cette idée de la plénitude serait, en fait, d'une certaine manière cohérente avec une idée de Dieu qui circule partout. Un Dieu englobant toute chose. Un Dieu tout-puissant, omniscient, ayant toute chose dans sa main. Le passé comme le présent, ayant déjà écrit le futur, ayant dans sa main la santé comme la maladie, la pluie comme le beau temps. Un Dieu qui serait immuable, qui se suffirait à lui-même, qui n'aurait besoin ni de rien, ni de personne, puisqu'il ne manquerait de rien dans cette plénitude formidable. Un Dieu plein comme un œuf.
Et encore, un œuf, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout bon œuf qui se respecte, il y a une petite poche d'air, en fait, sur le gros bout. Il n'y a que les œufs décoratifs en marbre qui sont entièrement pleins. Mais Dieu n'est pas du tout comme ça dans la Bible. Sinon, il n'aurait pas voulu, ni même pu créer quoi que ce soit, explique la spiritualité juive. Selon la Kabbale, Dieu choisit de se retirer un petit peu afin de faire place à la création. C'est ce qu'on appelle le tzimtzum originel. Un geste que Dieu répète sans cesse pour poursuivre son œuvre, et c'est pourquoi on dit au pluriel des tzimtzumim. C'est aussi ce geste de Dieu quand il fait alliance avec nous. Il choisit de dépendre d'une certaine mesure, d'autres que lui, ce qui effectivement n'est jamais simple. Cela réserve des surprises inattendues, même pour Dieu, nous disent les textes bibliques. Et Dieu doit alors observer, se laisser surprendre, s'adapter, réagir encore et encore afin de sauver son entreprise. La Bible raconte que Dieu désirait d'un grand désir une humanité qui serait juste et bonne, qui serait créatrice de vie à l'image de Dieu lui-même. Dieu est donc déçu du résultat quand il constate la violence de l'humanité. La Genèse nous dit même que Dieu regretta d'avoir créé l'humanité et qu'il se repentit comme on se repent d'une grave faute. Mais en conclusion, de l'histoire du déluge qui commence ainsi, Dieu choisit d'assumer que l'humanité soit loin d'être parfaite et il décide de faire alliance avec l'humanité telle qu'elle est. Et Dieu promet de maîtriser sa propre colère en choisissant de plutôt bénir plutôt que de détruire. Nous avons là donc un Dieu qui est loin d'avoir tout prévu, d'avoir tout maîtrisé, un Dieu qui fait place à d'autres et qui s'associe avec eux. Donc tel est le genre de plénitude de Dieu dans les textes bibliques. Une plénitude ayant une part d'incomplétude qui est choisie, délibérée et qui nous est montrée donc en exemple. La Genèse va encore plus loin, c'est-à-dire que dès les premiers mots de la Bible, la première phrase, la Genèse nous montre que Dieu est face à un vide, au chaos primordial. Et donc fondamentalement, cette plénitude de Dieu, du Dieu créateur, s'inscrit donc dans un contexte d'incomplétude. Et cela se poursuit. Dieu ouvre dans ce chaos un espace où la vie sera possible. Et dans cet espace, il suscite d'autres sources de création que lui. Voilà ce qu'on peut appeler la plénitude de Dieu. Elle est en vis-à-vis, toujours positivement, mais en vis-à-vis. Or, Dieu n'est pas simplement créateur dans le passé. Il est créateur par nature, en fait, d'une création qui est donc toujours en cours, sans cesse, puisque le créateur l'est éternellement. Et donc ce n'est pas seulement dans sa fonction de créateur que Dieu n'est pas plein comme un œuf en marbre. Dans la théologie biblique, le nom même de Dieu, Yahvé en hébreu, c'est une curieuse déclinaison du verbe être. Jean traduit bien ce mot Yahvé, curieux, dans l'Apocalypse quand il dit que Dieu, quand il appelle Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient. Dieu est en devenir. Dieu n'est pas figé. Sa plénitude comprend une part de déploiement, mais comme tout ce qui est vivant en réalité, et nous aussi. Tout vivant se déploie dans une sorte d'avenir et a besoin de ce qui l'entoure pour être vivant. Donc, quand Jésus nous invite à nous reconnaître comme un enfant, ce n'est pas simplement une question d'humilité. Ce n'est pas temporaire comme un enfant qui va devenir adulte ensuite, comme un pis-aller à notre manque de développement, notre développement en cours.
mais c'est un modèle pour nous aujourd'hui et pour toujours. C'est prendre part à cette plénitude de Dieu qui consiste à être en déploiement, qui consiste à être en évolution, et puis d'avoir cette lucidité face à l'imprévu, et puis de savoir compter sur d'autres que soi pour avancer. Cette plénitude, c'est le propre du vivant. Parce que quel serait en réalité notre rêve ? Ben peut-être que ce serait effectivement, comme je l'évoquais au début, de pouvoir faire tout ce que notre cœur désire, que nous n'ayons pas d'obstacle, aucune contrariété dans l'existence. Peut-être que notre rêve serait d'être bien tranquille, sans rien pour nous déranger, ni en nous, ni autour de nous. Certaines spiritualités ou philosophies ou méthodes de développement personnel nous le font miroiter en réalité. Cela correspond à l'idée de plénitude de l'œuf en marbre ou bien d'un caillou qui serait bien posé à plat dans un endroit à l'abri de toute intempérie avec personne qui ne passe pour le déranger. Donc un caillou plat au fond d'une grotte très profonde peut-être. Ou une plénitude de Bouddha, vous savez, grassouillet avec son gentil sourire de marbre ou de bois doré. Une plénitude d'absence de désir qui viendrait troubler notre calme, notre sérénité. Eh bien, Jésus n'est vraiment pas comme ça. Ce n'est pas le modèle qui nous est proposé dans les évangiles. Jésus était enthousiaste, il était tout le temps en mouvement, il était surprenant, il était ouvert à l'inattendu d'une rencontre au coin d'une route ou d'une maison, à l'inattendu d'un geste ou d'une parole qui fait avancer les autres, prenant encore le temps de prier en solitaire ce Dieu qui est toujours le Dieu source d'inattendu, puisqu'il est créateur, il est sans cesse dans l'invention de neuf. Alors c'est moins confortable effectivement cette façon de voir la plénitude que l'encéphalogramme plat d'un caillou bien posé à plat. Mais la vie est comme ça en fait. Et ce qu'il y a de plus beau dans la vie est comme ça. Aimer, s'émerveiller, créer, bouger, vibrer à ce qui est beau, faire des projets, espérer, grandir, apprendre de nouvelles choses, larguer les voiles. Alors c'est vrai que cela nous apparaissait intuitivement comme un paradoxe que la plénitude divine et la plénitude qui nous est proposée soit une incomplétude, comme un plein mais avec des trous. Mais comme un bon emmental qui se respecte, il faut du plein, mais il faut aussi des jolis trous. Et avec ce célèbre et troublant paradoxe, en vérité, qui fait qu'avec l'emmental, plus il y a de fromage, plus il y a des trous, et plus il y a des trous, moins il y a de fromage. Alors, notre idée de la plénitude, elle rencontre en fait sans cesse ce genre de paradoxe. Ce qui fait que nous craignons intuitivement les trous dans notre vie, dans notre avenir. Tout ce que nous ne maîtrisons pas, finalement. Alors, ce n'est pas très intuitif d'apprécier l'incomplétude, les trous. Cela demande de réfléchir pour effectivement choisir la vie, choisir une véritable vie vivante qui suscite de la vie, qui est source de vie. Alors, pour assumer l'incertitude face à ce que nous ne maîtrisons pas, face aux trous, face au chaos, face aux autres, eh bien cela aide infiniment de savoir que envers et contre tout, en toutes circonstances, Dieu nous garde et nous gardera. Dieu nous bénit et nous bénira sans cesse, encore et encore. Et donc c'est ainsi que la Bible nous invite à choisir une part d'incomplétude à travers des récits
les récits bibliques parce que c'est sa façon de nous ouvrir à la vie. Alors d'abord avec le récit du déluge, où Dieu nous montre l'exemple de l'incomplétude assumée, comme nous l'avons vu. Mais la Genèse poursuit ensuite avec Abraham, la grande figure du croyant. Comment va-t-il devenir fécond ? Comment va-t-il devenir bénédiction pour la multitude ? Eh bien, ça passe d'abord par l'écoute de cet autre qu'est Dieu. Écouter, ben c'est faire place à du neuf, à de l'autre que nous ne connaissions pas. C'est libérer un espace pour évoluer, pour se déplacer. Alors que l'œuf en marbre, lui, il stagne. Même bien couvé, un œuf en marbre ne donnera jamais la vie. Abraham, lui, il écoute, il se laisse surprendre et il se met en route. C'est la première incomplétude choisie. Écouter, se mettre en mouvement, changer. Ensuite, le signe de la circoncision invite Abraham à retrancher quelque chose de sa propre fécondité pour faire équipe avec cette autre source de fécondité qu'est Dieu. Alors, bien entendu, la question n'est heureusement pas de commettre cette mutilation rituelle, mais d'intégrer que notre fécondité ne peut exister qu'au prix du juste choix d'une incomplétude. Mais dans cette même logique, la fécondité d'Abraham ne pourra arriver que quand il renoncera à considérer Sarah comme sa chose, mais comme une princesse par elle-même, c'est-à-dire ayant sa propre souveraineté, car c'est ça que signifie ce changement de nom de Sarai à Sarah. La plénitude d'Abraham est ainsi ouverte. Elle est en veille et c'est comme ça qu'il va pouvoir accueillir des collaborations inattendues, en particulier celles d'anges qui viennent porter vie et bénédiction dans son existence. Mais d'ailleurs, comme le dit Paul, le comble de la plénitude est Jésus. Lui non plus n'est absolument pas dans l'autosuffisance. À peine il a commencé à prêcher, que déjà il cherche à constituer une équipe pour l'associer à son œuvre et la prolonger après lui. C'est ainsi que nous sommes ce matin en Église, et pas seulement dans notre cœur à cœur intime avec Dieu, même si c'est là l'essentiel, nous avons aussi besoin de la surprise, de travail en équipe. Et c'est les deux ensemble. Le plein et les trous. La Genèse nous propose ensuite, après Abraham, la figure de Jacob qui combat avec Dieu. Jacob en sort béni, il devient aussi source de bénédiction, mais il avancera, nous dit le récit, comme boiteux. Mais c'est encore une incomplétude. Quand on aime, quand on se soucie de Dieu, quand on se soucie de justice, quand on se soucie du bien, quand on se soucie des autres, eh bien, on n'avance pas aussi librement que celui qui est sans scrupules ni attaches. Mais c'est bien avec cette incomplétude qui handicape, dans un certain sens, notre puissance, que notre vie va pouvoir être source de vie et non pas de chaos. Et puis, il y a encore une incomplétude. Jésus est d'une liberté qui étonne son entourage. Pourquoi ? Mais c'est que sa liberté, elle assume la complexité de notre monde. Alors, bien sûr, ça dérange ceux qui assimilent la plénitude divine avec un plein de doctrines et de règles de morale sacralisées. Au contraire, nous voyons Jésus oser enfreindre l'excellent commandement du sabbat, de faire place à Dieu dans son existence, pour faire preuve de compassion pour un homme qui n'était même pas malade d'une façon urgentissime. Et donc c'est le même type de situation qui est très courante dans notre existence, dans la vie réelle, où nous n'avons le choix qu'entre des solutions qui comprennent toutes une part de bien
et une part de mal. Même Jésus est soumis à cette réalité complexe. Alors c'est ce qu'a démontré le mathématicien Gödel, ami d'Einstein, à travers ce qu'on appelle le premier théorème d'incomplétude de Gödel. Qu'est-ce que c'est ? Il a démontré que dans tout système, il existe des énoncés qui sont indécidables, dont on ne peut pas dire, qu'on ne pourra jamais dire, s'ils sont absolument vrais ou absolument faux. Alors ce premier théorème d'incomplétude de Gödel, ça s'applique aussi dans le champ de la théologie et de l'éthique. Car Dieu est une réalité complexe, il est à la fois le tout autre et le tout proche, et sans arrêt pour parler de Dieu, comme Grégoire de Narek que je vous ai lu en entrée, eh bien Dieu, on a de mal à vraiment fixer qui il est. Et puis notre vie est complexe aussi. La vie humaine est complexe, et donc toute théologie est par définition incomplète, toute morale, toute éthique est incomplète. Il nous faut donc apprendre, comme Dieu, à surfer sur le chaos, c'est-à-dire à chercher à faire au mieux. On en est tous là. C'est ainsi qu'en étant comme un enfant, ayant soif d'apprendre, ayant soif de grandir, d'explorer, confiant pour cela en d'autres que lui seul, en d'autres qu'il aime, c'est ainsi que vous êtes déjà bien, bien proche de la plénitude divine. Amen.